pendant une dizaine d'années sur le corps, sur la notion de vie. Ça m'a amené ensuite à travailler sur les cultures animistes, ce qui m'a poussé vers l'abstraction un peu. Et là, je reviens, malgré moi, mes premiers amours, c'est un travail sur le corps qui se mélange avec ce travail sur la société de consommation. En fait, à la base, j'ai commencé à me servir du code-barre comme extension d'un symbole hopi qui est une culture animiste, qui sont des barres verticales aussi, mais elles plutôt régulières, et qui, à l'inverse, sont le symbole de la constance de la vie, quoi. Ponctuellement, comme ça, je fais des interprétations d'œuvres, pour le coup, de personnes qui sont rentrées dans l'histoire de l'art. Et je les introduis dans ma démarche. Là, j'ai mis que des femmes. C'est vraiment, pour moi, la symbolisation de la vie, quoi. Qui est en rupture, en contraste, en tout cas, à défaut de rupture, en contraste avec ces lignes noires, avec ces carrés noirs, et qui viennent un peu figer, bloquer des choses qui pourraient être peut-être parfois plus simples. Même si, je le répète, on a besoin, vu la quantité de personnes qu'on est au mètre carré par ici, on a besoin de ça aussi, quoi.